Je suis Christelle Dreuillet, j'ai 50 ans et je fais de l'immobilier. Je suis conseillère en immobilier depuis plus de 15 ans maintenant au sein du groupe Tolosan Immobilier qui se trouve avenue de Gameville à Saint-Aurens. Je m'occupe essentiellement de la transaction immobilière, donc je vends des maisons, j'ai du contact avec des vendeurs et des acquéreurs. Nous faisons la location-gestion bien sûr au sein du groupe Tolosan, mais personnellement je ne m'occupe que de la transaction depuis plus de 15 ans maintenant. J'y suis tombée dedans, c'est comme Obélix dans la potion magique. J'ai fait des études d'histoire-géographie en fac, j'ai un bac plus 4 ans. J'ai fait des études d'histoire-géo parce que c'est ce qui me plaisait, mais je ne voulais pas être prof et donc j'ai laissé tomber et je suis tombée enceinte. J'étais jeune maman. Je me suis occupée de mes enfants et la vie, les aléas de la vie ont fait que je me suis séparée de mon mari à l'époque. J'ai donc vendu ma maison et j'étais très intéressée par ce qui se passait chez moi lors de la vente de cette maison et j'étais très intéressée par le métier et j'ai eu l'opportunité de me présenter au groupe Tolosan Immobilier, donc il y a plus de 15 ans, qui avait vendu ma maison. Voilà. Ce qui est plaisant dans ce métier d'ailleurs, c'est que on arrive à l'agence le matin avec un planning de rendez-vous, on assure les rendez-vous, mais il y a toujours des petits aléas, des petits à côté qui font que on a au final en fin de journée pas forcément le planning qu'on avait prévu et c'est ce qui me plaît dans ce métier. Il y a eu vraiment un vrai déclic, tout simplement, je me suis retrouvée maman au foyer séparée. J'étais encore jeune, j'avais 35 ans et je me suis dit c'est peut-être le moment de faire ce que tu as envie de faire, de l'immobilier. J'ai toujours eu du mal à être salariée. Je peux dire que de ma vie, j'ai été salariée quand j'étais étudiante pour un petit job d'étudiante, mais j'ai toujours fait des choses pour moi et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. J'ai grande confiance en la vie et l'univers. Alors ça peut paraître spécial, mais je sais que depuis que j'ai commencé ce métier, des gens sont arrivés vers moi, des clients ou des rencontres par des clients et qui font qu'aujourd'hui j'ai un quotidien très riche, une vie sociale très riche et sociale et professionnelle. Très très riche. Et tous les matins, en fait, je me lève avec la banane parce que je sais, comme je disais tout à l'heure, que mon planning sera celui qui doit être, mais plus. Et je suis remplie de bonnes énergies autour de moi. Quelqu'un qui a déjà l'envie de faire les choses et qui hésite, j'ai dit surtout, voyez le verre à moitié plein et jamais à moitié vide, foncez. En 2022, on a vécu des choses pas faciles, tout n'est pas rose non plus, il faut pas se leurrer, mais pour moi, c'est vraiment le moment de... Justement, il y a trop de morosité ambiante, il faut vraiment foncer. Il faut foncer et vous verrez que si vous foncez, vous trouverez toujours les bonnes personnes pour vous accompagner et foncer avec vous. Mon maître mot, c'est d'avoir confiance en soi. Tous les matins, je me lève, il y a des jours avec, des jours sans, mais je me dis, allez, j'ai confiance en moi, j'ai confiance aux autres, à ceux qui m'entourent, à ceux que j'ai choisis, et il faut y aller, il faut foncer.